On contemple les oiseaux au clair de lune ? J'observais les rapaces nocturnes dans le parc quand j'ai repéré un groupe d'hommes armés de fusils vers Belvedere Castle. Merci de m'avoir prévenu, chère... Stéphanie, dites-moi si je peux être utile. Je continue à faire le guet depuis mon perchoir. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Pourquoi y aurait des hommes armés à Belvedere Castle ? Mon petit doigt me dit que c'est pas des touristes. Les hommes de fisc, c'est pas bon signe. Tu devrais faire une petite sieste. Il en reste plus. Voyons ce qui manigançait. J'ai pas trop compris leur manège. Peut-être que je peux trouver des infos sur cette clé USB. Génial. Stéphanie, un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est normal ou quoi ? C'est leur période de nidification, alors ça ne me surprend pas. Je crois qu'il y a un nid dans les arbres au sud-est du château. Nickel, je vais aller voir. Il a des copains, super. Rendez-moi ma clé USB, bande de rats volants. Essayez le renforcement positif. Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable. Une intelligence remarquable, hein ? Ah ! Hé, les pigeons ! Désolé de vous avoir traité de rats volants. On pourrait peut-être s'arranger. Je sais pas combien fisc vous paye, mais je vous propose le double en graines. J'en ai un. Mais c'est pas lui qui a la clé. Nada. C'est la bonne, j'ai trouvé la clé. On va voir sur leur disque fabriquer les hommes de fisc. Apparemment, ils cherchaient à transférer un verre sur le réseau Wi-Fi de Central Park. Ça aurait pu leur permettre de récolter en douce des tonnes d'infos personnelles. Maintenant que j'y pense, même moi j'utilise ce réseau. Minute, ça continue de charger à distance? Il doit y avoir plusieurs points d'accès. Stéphanie, vous êtes ma vigie du ciel. Vous avez repéré quelque chose d'anormal dans le parc? Je vois un couple de deux grands-ducs et... Non! Une autre bande, vers une boîte de raccordement tout près. Merci. Continuez d'observer les alentours. Je dois atteindre cette boîte de raccordement avant la fin du transfert. S'ils n'ont pas accès à l'ordi, ils peuvent rien charger. C'est vraiment pas ton jour. Attention, le visiteur. Ça va te calmer. Merci pour l'info. Faut que je me dépêche. Encore deux ? Je pensais pas dire ça un jour. Mais pourquoi Central Park a besoin d'une couverture Wi-Fi aussi forte ? Je croyais qu'on venait ici pour respirer. Les voilà. Je dois les éloigner de cette boîte.
Croyez-le. Voilà. Les habitants de Manhattan peuvent dormir tranquilles. Leur mot de passe et leur vidéo de chaton ne risquent plus rien. Spider-Man, je crois qu'ils m'ont repéré. Oh non. Vous en êtes sûr? Quasiment. Il y a des hommes armés qui débarquent. Fermez la porte du toit et tenez bon. Je suis en route. Je dois atteindre Stéphanie avant les hommes de Fisk. C'est à cause de moi qu'il s'est fourré dans ce pétrin. Il essaie de défoncer la porte. On sait que vous travaillez avec l'araignée. Ouvrez. Je suis pas loin. Cachez-vous. Séparez-vous et trouvez la nana aux jumelles. Non. Spider-Man, liquidez-le et jetez la fille dans le vide. Mettez-lui une raclée. Un cadeau du boss. Je devrais aller voir Stéphanie. Oh, merci, Spider-Man. Mes nuits d'ornithologie sont un peu moins palpitantes que ça, d'habitude. Merci à vous. Sans vous et votre œil de lynx, un baron du crime aurait récolté les données personnelles de la moitié de la ville depuis sa cellule. Je me débrouille pas mal, hein. En plus, j'ai trouvé un nid de sittelles à poitrine rousse pendant que vous leur mettiez le pied dans les gencives. De vraies petites beautés. Vous voulez les voir ? Merci, mais je vais plutôt me concentrer sur une autre sorte de gibier.